c'est bien des gousses d'ail. Burk ! Elles sont là depuis un an. Elles n'ont pas été remplacées. Tu sais pourtant que cela fait près d'un an que les nazis occupent cette zone. Quant à ceux qui habitent dans cette forêt... Soyons quand même sur nos gardes. Ok, nous y sommes. Vous êtes sûr de ce que vous comptez faire? Oui, et s'il y a du grabuge là-haut, t'en fais pas. Je saurai me débrouiller. Camarades, ne sortez pas par ici. Tous ceux qui pénètrent cette forêt n'en sont jamais revenus. Eh bien, moi, j'en sortirai... Et tu vas m'attendre ici et... Oh non, pitié! Ne me laissez pas ici tout seul. Laissez-moi venir avec vous. Pas question. Tu pourrais compromettre la mission. Voilà ce que je fais quand moi j'ai peur. Je tiens mon arme en main et je me dis, mon fusil, c'est mon ami et il me protégera. Oui, mais je ne sais pas s'il pourra me protéger contre ce qui erre dans cette forêt. Excusez-moi, je crois qu'il est plutôt l'heure de dormir. Kifala, c'est fou, colonel! Mais il n'y a personne? Si, moi. Alarme! Alarme! Un intrus! Arrêtez-le! On ne bouge plus! Vous êtes pris au piège! Lâchez votre arme et venez faire nous! J'avoue que pour un cow-boy, vous me décevez! Oh, mais vous ne serez pas déçus longtemps! Comment ça? J'ai un petit cadeau pour vous! Il est pris au piège. Ça, c'est la meilleure. Mon compagnon s'est enfui.
Rendez-vous. La forêt est totalement encerclée. Je vous conseille de vous rendre en venant sagement vers nous, où nous venons vous chercher. Génial. J'adorerais jouer à cache-cache. Allez-y, attrapez-le. On l'a trouvé! Ils ont mordu à la pa... On vit deux ans pour... Hé! Mon Dieu! Où suis-je? Il y a quelqu'un? Oh, pourriez-vous me dire où je... Non! Non, n'approchez pas! Pas un peu de plus! Si vous continuez, j'attire! Oh mais partout les diables! Ne le touchez pas! Bonsoir, Gruppenführer. Bonsoir, Vlad. Ton maître me demande. Veuillez me suivre. Entrez, je vous prie. Ah, enfin, voilà, Gruppenführer. Vous n'avez pas l'air contente de me voir. Sachez que c'est moi qui voulais vous parler. Parce qu'il y a près d'une demi-heure, un agent américain a infiltré le château, mais... Il a été découvert et on l'a tous poursuivi. Il a fini par gagner la forêt des damnés et votre piège a été mis en place comme vous l'a fait ordonner. Et... Comment cela s'est-il passé pour finir? On a retrouvé un corps avec un uniforme allié, mais on s'est rendu compte que c'était un partisan. Les soldats ont soudain entendu un cri et c'est là qu'on a retrouvé le corps de l'agent allié, déguisé en partisan. Ah! Vous, les soldats de la Wehrmacht, vous êtes tous des incapables!
On prend un agent allié au piège et il meurt dans des circonstances mystérieuses. Pas si mystérieuses que ça. Il a été retrouvé écorché, je vois. Ce sont encore vos racailles dans la forêt, monsieur le comte. Ne traitez pas ceux de ma race de la sorte. N'oubliez pas que c'est grâce à eux et à moi que vous allez peut-être gagner cette guerre. C'est vrai. Mais cela fait près d'un an que je m'obstine à retrouver le repère des partisans. Ils attaquent nos convois et disparaissent aussi vite que l'éclair. Je vous ai donc réuni ici pour remettre en question l'efficacité du piège que vous avez élaboré, Gruppenführer. Faites un peu attention à ce que vous dites, colonel. Sachez qu'en tant que membre de la Waffen-SS, j'ai autorisé sur vous et vos soldats dans cette région. Ce n'est pas avec votre piège et vos méthodes barbares que l'on retrouvera le repère des partisans. Ce que vous appelez des méthodes barbares, nous appelons ça de la dissuasion par la terreur. Et ce ne sont pas les soldats de l'armée régulière qui pourront trouver le plus rapidement le nid de ces vermines. Sur ce, je vous laisse. Je vais dormir. Je vous prie d'excuser ces manières, monsieur le comte. Tu as tout écouté comme d'habitude, mon cher Vlad? Oui, maître. Que pensez-vous de cela? Cela me met en rogne. Voilà près d'un an qu'ils m'ont torturé, moi et les miens. Et qu'ils font comme chez eux, dans mon château, dans ma demeure, dans mon domaine! Ah, mais nous ne pourrons rien y faire, maître. C'est là que tu te trompes, Vlad. Lorsque le Gruppenführer lança son opération, je serai enfin libre comme je l'ai toujours rêvé. Oh, hello, bonjour, Max Thurston. Bonjour, Colonel Sterling. Monsieur Hudson, pourquoi vouliez-vous nous voir? Eh bien, sachez que votre meilleur agent a été envoyé dans les Carpathes. Il a été tué hier alors qu'il venait d'infiltrer le château de Bramrock. Willis, c'est impossible. Il ne m'a jamais échoué dans une mission. En plus, cela fait la troisième fois que nos agents meurent de manière mystérieuse dans cette région des Carpathes. Pensez-vous que cela vaut la peine d'envoyer des agents dans cette région? Les nazis ne préparent peut-être pas grand-chose. Vous croyez? Pourtant, il y a un nombre assez important de SS et de soldats pour garder cette zone. Un tel déploiement ne peut être mobilisé que pour cacher quelque chose auquel les nazis attachent de l'importance. Et ce qui est important pour les nazis peut être intéressant pour nous. Je comprends votre raisonnement. Mais qui allons-nous envoyer dans cette région particulièrement dangereuse? Ah, j'ai peut-être mon idée. Mais il faut voir s'il acceptera. De qui parlez-vous? Smith! On veut vous voir. Oh, bonjour, Smith. Comment allez-vous? Ça va. Sincèrement? Ouais. Écoutez, je vois très bien que vous ne vous sentez pas bien ici.
vous êtes enfermé avec tous les bandits de Londres. Si on pouvait leur donner une chance de se remettre dans le droit chemin au lieu de les maltraiter de la sorte. Eh bien, figurez-vous que c'est justement votre chance. Comment ça? Vous pourrez retrouver votre liberté si vous acceptez ma proposition. Et c'est quoi? Vous devez infiltrer un château dans les Carpates, occupé par les nazis, et découvrir ce qu'il s'y trame. Qu'en pensez-vous? Je le ferai à une petite condition. Et laquelle? À votre avis. Vous êtes sûr? Ouais. Vraiment? Ouais. D'accord, on viendra vous chercher. On se retrouvera ce soir au QG du MI6.